Je n'ai TV, je n'ai Kitoko. Image na yona mwanda nche balelango makasi. Je n'ai TV nangai, banakini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga je n'ai TV, ekende liboso. Je n'ai mounene, je n'ai TV, je n'ai mounene. Image na yona mwanda nche balelango makasi. Je n'ai TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Banakini, chaîne oiza pour nabino. Pour que je me par-ci par-là. On a ces pays qui font, bana Congo, bana Poto, bana Diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Génor TV, Minga Rolobezati. Boki, Eza Génor TV. Vous abonnez massivement, vous soutenir Génor TV, vous soutenir Soussou. Bana Diabisso, Franck Ojivadol, il est pour Naba Initiative. Génor TV. Général John Numbi piégé, Tokolo Belango na émission Oyo. Et puis, Aza na insécurité totale pour le moment. Tolanda ki bisonyo soba audio Oyo circulé na réseaux sociaux. Nakati nango, Général John Numbi, Azo Solola na moko ya basoda. Ya kala ya Congo toyoki ke mutwana azaki soda awa akoma pe soda soki na Zambie babilo kwa ndenge wana muto bando solona John Numbi na ba audio oye tamboli na réseaux sociaux. Général John Numbi a mettre en exergue intention ya mabe contre ba frère Nabiso ba Kasayen tamo to landeli Général John Numbi na refoulement au Salema na 2090 na Lubumbashi au babengana ba Kasayen John Numbi azalaki à la tête ya mouvement wana. John Numbi na ekatombe au Salema Salema na Bakongo na badepti ya Bundu ya Congo. John Numbi ndazaki à la tête ya et Katombouana. Na Liwa Yachebeya. Vous le savez très bien. Liwa Yachebeya, c'est John Numbi qui était à la tête de cette opération. Nous allons évoquer la question au courant de cette émission ici. Mais vous comprenez déjà le comportement de John Numbi, la nature de John Numbi. Vous le comprenez déjà. C'est comme ça que j'ai commencé à esquisser sur lui. John Numbi, tant que Félix Azui pouvoir, il était sur la liste de généraux au Bazalaki na intention Yamabe, au Bazalaki fidèle à Joseph Kabila, qui attendait que Félix Azala assassiné. Azala renversé pour que Bazonga na pouvoir notre histoire ya Pascal Lissouba na Denis Sassou Nguesso notre histoire ya Medvedev na Vladimir Poutine. Mais lokola nzamba la lakate nzamba ya ba congolais ala lakate plan machiavélique o bazaki nango esimbagite lokola plan wana esimbagate. C'est comme ça que John Numbi s'était retrouvé yemoko tango ka balongole na poste azaki nango alobino lokola naza général à 4 étoiles nako ko vanda jamais le quoi joueur ya réserve à quel Lubumbashi akeyi ko mouvementé bakatakatanga babando sala ba massacre na Lubumbashi. Nous savons tout ça wana Félix na Kabila bazana na ba accord na bango ya FCC cash. Tobwa kambela na ba plateau na biso pona kosenga tobwa kambela pona kosenga gouvernement congolais a interpellé John Numbi qui était derrière les bakatakatanga tobana koloba yango awa ono kaka bandeko na biso katanga tango tozo loba mingi bazo lobono to ini bango non moi je nazana baninge belé na Lubumbashi nazana baninge belé na Okatanga ba Kalemi ba do grand Katanga bref d'une manière générale j'ai des amis
Et j'aime bien cette province. Problème Nangaï, Tosande contre certains Katangé animés de mauvais, de mauvaises intentions. Bah, sécessionniste Wanande, Tosande contre Batouana, les gens qui ne veulent pas cette unité des Congolais, les gens qui ne veulent pas ça, les gens qui veulent que le Congo soit disséqué, que le Congo soit déchiqueté. C'est ça, nous sommes contre ces Katangé-là. John Numbi en fait partie. Tobo Kambela Awa, John Numbi, Azana Sima Yabakata Katanga, Gédéon Kyungu. Banda John Numbi Akima Akenda en exil. Influence ya Gédéon Kyungu na Lubumbashi et Dimina. Mais quand John Numbi Azaki na pouvoir, Nde Bakata Katanga Bazo Mabanani, Babana Koboma Baba Bakomote, Babana Koboma Bakasaite, Babana Koboma Bangalate. Batabandu nupete babanane ko boma bakatangé kaka bino moko Gédéon Kyungu votre frère na mouvement ya bakatakatanga bazoboma bakatangé wana John Numbi na pouvoir aza tantôt policier tantôt akena armée tout ça ba matisi matieti a komi général à 4 étoiles John Numbi aza yende mutabanda ko soutenir bakatakatanga Gédéon Kyungu. Po aboma ba congolais na banani bakatangé. Mais tant obisu toza ko belela, tozo belela, tozo belela. Bande ko na biso katanga ba osala sourde oreille. J'ai donc Kyungu Kabila a grasseyé. Azongi na mboka, atiki zamba na batu na ye, bapesi bango, bapesi nda kwa fandi, bapesi mutuka nyoso wana. Protégé par John Numbi. John Numbi frustré na régime ya Tshisekedi a se retrouvé na Lubumbashi zongi na Lubumbashi et pourtant John Numbi aza mutu ya okatanga te na découpage oh John Numbi aza mutu ya olumami aza mutu ya Kamina. Mais je ne comprends pas bandeko déjà province déjà de membres batu ya Kalemi ya Tanganyika bakeyi batu ya olumami bakeyi. Batu ya Lwala babake, est-ce que boyoka ka batu ya Kalemi na Lubumbashi bazo prôner session ezala na Tanganyika bosi boyoka bango bosi boyoka batu ya Lwala ba na Lubumbashi bosi boyoka bango mais batu mingi obasala ba déclaration Lubumbashi zaka olomami pourquoi. Découpage c'est Salema déjà. Batu ya Tanganyika bakenda na bango na Tanganyika. Bakenda basama kama na bango na Tanganyika. Batu ya Lualaba bakenda na bango ba Richard Muyej ba Fifi Masuka bakenda na bango. Baosala makambo na bango na Lualaba bazo bundande pona ko développer Lualaba. Pona bango ide wana za na mituna bango te. Mais bato bazana langage wana suis pour landi bien eza pena bato ya o katanga te na découpage c'est non découpage oui bato ya o katanga pena mingi te mais bato bazana biloko na Lubumbashi soko landi bazaka bato ya olandi bien olomami olandi bien olomami mais c'est quoi les problèmes pourquoi bande ko na biso olomami bazo mi concentrer te na développement ya province na bango pour la nini découpage c'est salami bozo vivre toujours na ignorance wana. Vous ignorez que découpage et c'est Salemi. Bosanango. Concentrez-vous sur votre province pour la développer. Nani, Kabange Numbi. A sa la déclaration contre Balouba. Tolande la Kabange Numbi bien, Mouta Olomami. Moutia Olomami. Tolande la Kabange Numbi bien, Olomami. John Numbi o yopeli sus olomami basé belé na kotanga la liste n'est pas exhaustive basé belé mais pourquoi vous ne vous concentrez pas olomami concentrez-vous na province na bino pour la développer Tanganyika est ça se développer Tanganyika est se développer Lualaba n'en parlons même pas o katanga là est ça peut se développer. Mais vous, les leaders de Olomami, pour nanini bozo djembela kana katina Lubumbashi, ko sala ba déclaration contre les Balouba. Pourquoi vous êtes contre les Balouba? Soko landi ba vrai leader ya Lubumbashi, ya Katanga ba vrai leader neti ba Kiabula.
net ba kiabula ba vrai leader ya Lubumbashi ba kiabula okoka jamais ba langage ya ndengwa na minoko ya kiabula na minoko na bango tango to banda kobelela awa pona John Numbi bande ko na biso musu ya katanga o baza mal intentionné o baba na comprendre le côté pona bango biso nde to zaki mabe bakatakatanga bazaki malamu meso ba koti na mboka ba bomi bakatanga kande bazokufu matanga koteli bango me bandimika kazande ko na bango je donc yung John Numbi o zaki na sima banda zaki na pouvoir banda kabila za na pouvoir banda je donc yung za na zamba zo azo boma batu John Numbi il était toujours derrière Gédéon muto banda ko fournir ye ba minduki ba masasi ba munitions c'était John Numbi général John Numbi. Nous on décrié ce comportement là bande qu'on a vu sur Katanga bino non ni batotoyé tout baache mais entre temps bazo bo mabanani bakatangé c'est comme ça qu'on a vu ça bino autrefois na émission moko awa bande indépendance na biso indépendance ya Congo la seule province oyo et tungisa kabiso voilà et tungisa kabiso na Congo ils ont toujours Katanga. Après notre indépendance, Katanga a déclaré sécession naï. Bakatangé bandeko bazaki wana ono Katanga il faut comme état indépendant. Katanga. Tolomwe kuna toke Lumumba notre héros au même na Katanga ba observaka jour ya liwa Lumumba. Lumumba akufaka na Katanga, babome na Katanga. Tata Simo Kimbangu, chef spirituel ya église Kimbanguiste na Katanga, makile netanga na Katanga. Na ebi sabino awa, na 2006, Kabila oyo aganyaki eleksyon, te bemba nde mutu aganyaki eleksyon. Bato ba favorizaki, Kabila zaina banani, bande konabiso ya Katanga. Parce que toutes les provinces avaient vomi Kabila. Mais c'est vrai, Katanga c'est une grande province. C'est une grande province. Tant avant le démembrement, c'était la plus grande province. Donc Katanga, ils ont battu Belé, on a battu Kassam, on a battu Kouna, on a battu Bazaki et Belé na Katanga. Kabila, résultat, na a dit que na Katanga, babino, alekaki parce que Katanga nyoso et vota qui est. Et Katanga, ba beta maboko, au lieu de ba dénoncer, ba refuter yango, non, ils avaient applaudi, ils étaient contents. Donc comme en 2011, Kabila kenda était Tshisekedi a gagné l'élection wana, a gagné l'élection na présidentielle. Et que ono ba foté Kabila wapi na Lubumbashi. Ba ndé kwa Katanga ba beti maboko. Kabila fait 18 ans na pouvoir. Lelo ba makambo nyo toujours dénoncé oyo. Qui avait favorisé Kabila pour qu'il fasse 18 ans au pouvoir? Nos frères Katangé. Ba secret banda ko bimaka ke pana bango wana ono biso nde to pesaka kyungwa ku mwa zafa kufa Kabila tango yake na Congo il n'avait pas le nom de Kabila biso nde to benga ki ndenge wana to pesaka kombo na biso nde to tondima ki ye biso nde to adopta ye ko mwana na biso po ko makatangé ba révélation na uta wapi na Lubumbashi mais tango bikolo mususu ba province mususu baza ko dénoncer nationalité douteuse, il y a Joseph Kabila. Bande kwa Lubumbashi, bazo confirmé que Kabila, c'est leur frère. Ton dit banabiso. Et que l'élo John Numbi a été révélé. Et l'oko oyo, ce n'est même pas une révélation, mais a corroboré thèse, il y a ba Congolais, ba province Moussous. Parce que c'était déjà connu de tout Congolais que Kabila n'était pas Congolais. Quand bien même, il nous a dirigé pendant 18 ans. Sa nationalité était un sujet à caution, était mise en cause. Mais les Katangais confirmaient que Kabila était leur frère. Ils confirmaient que Kabila était leur frère. Ils sont toujours tellement. Ils ressortissaient la province de Babanda Kobouya. Babino Kabila n'est pas Congolais. Congolais besoin de pas fongola miso katanga bino ni mutoto yetu muache ni mutoto yetu muache ni tumuache mutoto yenu sasa leo
John Numbi atafanya une révélation. Et, bon, j'ai dit que ce n'est même pas une révélation parce que c'était déjà révélé depuis longtemps. John Numbi, il corrobore cette thèse-là défendue par les ressortissants des autres provinces, à part Katanga. Aujourd'hui, John Numbi va corroborer cette thèse-là. C'est John Numbi qui nous révèle maintenant que même Maman Sif, parce que discussion John Numbi na ndeko wana, na osenga na mimi aba la celebrity photo ya ndeko. Oya bana osona John Numbi. Leur discussion nous a permis à confirmer que Kabila a une nationalité douteuse. Quand bien même, il nous a dirigé pendant 18 ans dans ce pays. Maintenant, c'est John Numbi qui nous confirme ça. C'est tout ce que nous pouvons déceler. Oui. Et donc, je suis en train de disséquer cette conversation de John Numbi et ces militaires-là. Il est pour le moment militaire zambien. Zambien. Il dit que tu n'as dit où est Bumba fou yabakasai depuis non année. Donc John Numbi a rappelé Bisso Makambo Oyele Kaponaye Bakasai Bazaba toi Bumbaf. Ça c'est John Numbi. Bumbafu yabatu ya Kasai. Ça c'est John Numbi. Et qu'est-ce que John Numbi veut au juste? Souci à John Numbi Zali, Katanga est comme un pays ta part. Katanga est comme un pays indépendant. C'est ça le souci de John Numbi. Il dit Kabila, le fait que sa mère n'est pas Maman Sif, sa mère est une Rwandaise, ça s'appelle en droit une haute trahison. Faux en écriture, faux et usage de faux. L'identité que Kabila a utilisée depuis tout ce temps n'était pas la vraie identité de Kabila. Kabila s'était accroché à Maman Sif pour nous dire qu'elle était sa mère. Et pourtant, Maman Sif ne l'était pas. Maman Sif n'avait pas fait des enfants avec Moussé Laurent Désiré Kabila. Oui. Mais Kabila s'est accroché à Maman Sif pour nous dire qu'elle était sa mère. Maintenant, c'est John Numbi, fidèle à Kabila, un militaire que Kabila a plus utilisé pour tuer les Congolais, c'est lui qui va nous révéler que Maman Sif n'est pas la mère de Kabila. Et nous, quand on le disait, nos frères de Katanga, je le répète, ils nous disaient non, c'est Maman Sif qui était sa mère biologique. C'est ce qu'ils nous disaient. Mais aujourd'hui, ils vont nous faire cette révélation. Il dit, Kabila ne peut pas parler, il est resté taciturne parce que il a un problème de nationalité. Il a une nationalité douteuse. Il ne peut pas parler. Mais moi, comme je n'en ai pas, je n'ai pas un problème de nationalité douteuse, alors je prends le dessus. Je suis en contact avec quelques généraux à Kinshasa. Quelques généraux. Service d'intelligence. Bon, on la lit, soit. Quelques généraux. Ils travaillent en connivence avec John Numbi. Bon, on la lit, soit. Parce que ma révélation, oh, vous ne pouvez pas négliger ça. Écoutez. Quel que soit Nenge, mettre sur la place publique, conversation Oyo, c'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est ce qui s'est dit dedans. C'est ça mon problème. Ezala Soki, Mouto Abando Sona Dio Nomine Mouto Atirikeye. Ezala Soki, numéro Naye, Ezala qui mise à l'écoute. Nyo Sowana, quel que soit Nzela Oyo, Audio Wana et qui est la place publique, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de parler, d'analyser les propos de ces deux messieurs, surtout de John Numbi. Celui qui sera le prochain président de cette nouvelle république du Katanga. Celui qui sera, celui qui va diriger cette république. Il travaille en connivence et puis à lobby. Tous
le batoto ya katanga bana travailler na Félix bana trahir notre lutte, notre combat. Alors tout abapinir. C'est-à-dire tous les fils du Kata et filles du Katanga qui travaillent avec Félix comme Sama Lukonde, comme le directeur Dylan Nyembwe, tous les fils du Katanga qui travaillent avec Félix, John Obi estime qu'ils ont trahi leur lutte. Alors ils seront tous punis. Je ne sais pas la punition, ils seront bannis de la République katangaise. Où ils seront mis en prison, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils seront soit bannis, soit mis en prison. Je ne sais pas. Donc, Sama Lukonde, Guilain Nyembwe, Bino Nyonso, Bandekwa Katanga, Nyonso, Boza contre Biloko Djonoumbi, Eriango Boza Mayeli. Ne corroborez pas, ne soutenez même pas cet inconscient. Ne les soutenez même pas. Le mouvement de Bakatangatanga là, démantelé. Ce mouvement démantelé. Et lui est en exil. Il fait des contacts ici pour couper les Katanga de la RDC. Et tant que Monique, Baudio Naye, et qui est déjà dans Kisasa, et pensant dans les réseaux sociaux, les journalistes vont récupérer Yango, les commentateurs, les analystes politiques. A Bengi Lissousou Ndekowana, a Bengi Lissousou. Cette fois-là, c'était pour lui dire que je suis au courant de ta trahison. Tu m'as trahi. C'est-à-dire, ce frère-là est sur la liste de tous Katangais qui ont trahi la lutte de John Numbi, de couper Katanga du Congo. Donc, lui aussi sera puni, comme les Guilain Nyembwe, comme Sama Lukonde, notre premier ministre, comme les autres Katangais qui travaillent aux côtés de Félix. John Numbi estime qu'ils ont trahi sa lutte. Donc, ce frère ici, qui a mis à la place publique leur conversation, sera aussi puni comme les autres. Il sera puni comme les autres. Et après, tant que Sendengwana, non, je t'avais appelé seulement pour te dire que je suis au courant de tout ce que tu as fait. L'autre dit, non, moi je n'ai personne à Kinshasa à qui je peux envoyer les audios, tout ça. Je n'ai personne à Kinshasa, moi je suis ici en Zambie, tout ça. Et après, il a raccroché. Il s'est vu piégé par ces messieurs. C'est comme ça qu'à Longo, le Suisse, la place à Zasso, il a Zimbabwe. Akimi, il a ma troupe, il a pris encore les larges. Il est porté disparu pour le moment. Bazolo, Bako, Kozalata, Moussou, na Namibie. A cause de la Namibie. Ndesika, Bazo, suspecté, Babino. Alors, dans le service de renseignement, il y a ce qu'on appelle la coopération policière internationale. Pour suivre ces messieurs-là, la RDC est membre de l'Interpol. Pour suivre John Numbi. John Numbi, je vous informe que Katanga ne sera pas coupé de la RDC. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Mais il est du Katanga, soi-disant. Du Katanga. Du grand Katanga. Mouzé a fait 4 ans au pouvoir. Du grand Katanga. Ce qui fait 22 ans que Katanga a géré ce pays. Pourquoi vous n'aviez pas. John Numbi, toi, tu étais au pouvoir. Général, influent aux côtés de Kabila. Pourquoi tu n'avais pas profité de tous ces avantages-là pour couper Katanga de la RDC? Parce que vous aviez tous les pouvoirs entre vos mains. Vous aviez tous les pouvoirs entre vos mains. Donc comme ce n'est pas quelqu'un du Katanga qui est au pouvoir, vous voulez en profiter pour couper Katanga du Congo. Pour que ça tombe maintenant sur la tête de Tshisekedi, que c'est lui qui avait provoqué la sécession du Katanga. C'est lui qui en était à la base. C'est tout ce que vous faites. Quand vous étiez au pouvoir, tous nous étions là derrière vous. Tous nous étions derrière vous. On n'avait même pas parlé. On s'opposait à Kabila. Oui. Mais on n'avait pas le droit même de solliciter ça.
Mais je comprends pas pourquoi quand ces gens du Katanga parlent, le gouvernement fait sourd oreille. La justice fait sourd oreille. Pourquoi quand ils parlent, quand ils veulent trahir, violer la constitution, l'article 1er de la constitution qui décrit la RDC comme un pays ou qui définit la RDC comme un pays unitaire et non fédéral. Nous ne sommes pas un État fédéral, nous sommes un État unitaire. Nous avons choisi l'unitarisme en lieu et place du fédéralisme. Mais pourquoi quand ces gens ici veulent trahir la Constitution, quand ils violent l'esprit même de la Constitution et la justice se fait sourd oreille? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi ces gens ne sont pas interpellés? Pourquoi ils ne sont pas interpellés, ces gens-là? On les arrête, après quelques mois, ils sont relaxés. Et le même discours continue. Il faut commencer à punir. L'État doit être rigoureux. L'État doit ouvrir l'œil. Ce n'est pas le moment de jouer. Et John Numbi vous révèle qu'il n'est pas seul dans ce combat. Il travaille en connivence avec quelques généraux qui sont à Kinshasa. Avec les gouvernements zambiens qui est déjà impliqué dans l'affaire. Mais c'est le moment, les services d'intelligence doivent commencer à faire des enquêtes pour nous prendre tous ces complices. Et les condamnés doivent subir la rigueur de la loi. Les Katangais ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont pas au-dessus de la Constitution, non. Nous sommes tous en deçà de la Constitution. Il n'y a personne, alors personne qui est au-dessus de la Constitution. Il n'y en a pas à RDC. Nous sommes dans un état de droit. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment John Numbi s'était retiré de la RDC. Il s'était retiré comment? Comment il s'était retiré de la RDC, John Numbi? Il était à Lubumbashi. On pouvait l'arrêter là où il était. On pouvait l'arrêter. Dans la résidence, je peux dire domicile, dans le domicile de John Numbi, de Kinshasa, on avait trouvé les cadavres des Chebeya dans les congélateurs, embaumés. On avait trouvé pas mal de trucs là-bas, les armes. On avait trouvé pas mal de documents vraiment bien protégés. On les avait trouvés dans le domicile de John Numbi à Kinshasa. Il était déjà un élément très suspect pour la République. John Numbi était au Katanga. Entre-temps, Jedo Kyungu menaçait les Katanga. Nous avions crié. Mais le gouvernement, la justice faisait sourd oreille. Jusqu'à ce que le monsieur avait pris la poudre d'escampette. Il a pris les larges, il est parti. Et aujourd'hui, il vous révèle maintenant son plan machiavélique. C'est le moment maintenant d'entrer maintenant dans la forêt, de commencer à chercher tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire et les arrêter, les déférer. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver dans notre deuxième numéro, dans lequel nous allons parler de l'affaire Fally Poupa et notre confrère Gauthier Sey. Je vais évoquer la question. Je vais évoquer la question dans notre deuxième numéro. Merci. Que Dieu vous bénisse. Genoc TV, Chana Kitoko. Imagine yon a mandan che balilango makasi. Genoc TV nangai. Banakini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Genoc TV, ekende liboso. Chana mounene. Genoc TV, Chana mounene. Imagine yon a mandan che balilango makasi. Genoc TV nangai. Bana Congo basepeli makasi. Banakini. Chen oiza punabino. Pour nous, nous avons une image par-ci par-là. Nous avons ce qui est fort. Nous avons le Congo, le Poto, la diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Genoc TV. Nous avons le plaisir. Boki, c'est Genoc TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenir Genoc TV. Vous soutenir Soussou. Vous avez le plaisir de Franck Ojivadot.